Christo, to sambeli bongo petolobi. Amen. John, tu nous amènes un peu mon côté avocat. Si m'a veillé un peu sur les canapés, sur les sons, parce que ça me dérange. Je sais que on a perdu un peu la table, mais veillez pour que ce soit un peu. De Timba, mais comme à Kokengela, côté à moi, mon gongo kuna. John, on vous attend, non?
Je commence la lecture à partir du 23e, il est écrit. 1 Corinthiens 11, 23, il est écrit. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Je dis que le Seigneur bénisse tout et chacun de vous. Que le Seigneur bénisse tout et chacun de vous. Je croyais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens allaient répondre. Même l'assemblée de Cupid n'est pas venue. Les autres qu'on a invités. J'avais demandé que les églises de Tchamou se réunissent aujourd'hui. J'ai vu quelques pasteurs. Les autres ne sont pas venus. C'est ça la marche, que le Seigneur soit loué. Alors nous voulons en un mot parler de ce que nous voulons faire cette nuit. Alors, moi je crois que chaque rassemblement des enfants de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Quand on se réunit autour de la parole, c'est que Dieu est présent. Et quand il est présent, il peut bénir, il peut délivrer, il peut guérir, il peut visiter les gens. Parce qu'il n'est pas comme un homme. Il a dit, là deux ou trois seront réunis en mon nom. Donc l'invitation de Dieu, c'est son nom. En son nom, c'est sa parole. Parce que nous sommes réunis tout autour de sa parole. Nous croyons qu'il est présent. Et la présence du Seigneur, c'est pour notre bien. Sa présence. Parce que si nous vivons, c'est pour lui et c'est par lui. Nous voulons accomplir cette portion de l'écriture. Peut-être je ne serai pas long, mais en un mot, Jésus-Christ, à la fin de sa mission, à la fin de son ministère, il voulait rentrer chez les pères. Et cela a coïncidé à la fête de la Pâque. Il a envoyé ses disciples pour aller chercher un lieu où ils devaient manger la Pâque. Ils ont trouvé un lieu. Et Jésus arrive dans ce lieu. Contrairement à ce que Moïse avait fait, Moïse avait ordonné
que dans la Pâque, on devait prendre un agneau sans défaut. On devait prendre les pains sans levain. Les herbes amères. Mais Jésus-Christ ici. Jésus-Christ au Awa. Suivez-moi parce que beaucoup de gens confondent les repas du Seigneur avec la Pâque. Les Juifs préparaient leur Pâque. Mais Jésus-Christ est venu donner l'explication de la Pâque. Comme je l'ai toujours dit, si il n'y a pas un interprète, qu'on se taise, qu'on ne parle pas là. Parce que parler à langue signifie qu'il y a quelqu'un qui doit interpréter. Alors, le mouvement des prophètes, c'est de parler à langue. Les écritures, c'est de parler à langue. Voilà pourquoi Moïse, à son temps, savait qu'il n'y avait pas un interprète. Il versait le sang et il couvrait par la poussière. Il a dit à la maison d'Israël, ne mangez pas le sang. Il couvrait ça par la poussière. Parce qu'il savait qu'il n'y a pas un interprète. Quand Jésus est venu, il sort la poussière. Il dit, voici mon corps. Voici le sang. C'est ce que Moïse a fait. Il est venu révéler. C'est-à-dire que Moïse savait que dans son église il n'y avait pas un interprète. Voilà pourquoi il avait dit, ce jour-là, vous m'avez posé la question. C'était dans la nuée, dans l'obscurité, dans le tremblement de terre. Mais Dieu m'a fait. Il vous répondra. Voilà pourquoi quand Moïse est présenté, il a pris le voile. Il s'est voilà. Pour dire que ce n'était pas encore la réponse. C'était elle vous répondra. Pour dire que gardez silence. L'Éternel vous répondra. Il suscitera du milieu de vous un prophète. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient, c'est lui l'interprète que Moïse attendait. Donc Jésus-Christ est venu interpréter tout. Matthieu chapitre 13, verset 35 dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole pour expliquer les choses cachées depuis la création. Donc avant lui, personne n'a interprété. Mais vous êtes heureux ce soir. Vous êtes heureux cette nuit. Parce qu'il est là. Il peut interpréter pour vous. Quand il interprète, lui perd la force, nous devenons forts. Mais il n'a pas cherché l'argent, ni le diamant, mais il a cherché le cœur. Voilà pourquoi le bien-aimé disait à Silamit, ne me regarde pas, détourne-moi tes yeux. Cet tes yeux ravissent mon cœur. Aujourd'hui, il y a les yeux de Dieu. Et lui fait la vie sans quel mouvement. Il a eu le cœur. Moi, je crois que tout celui qui a l'explication de la parole de Dieu puissant. Parce que si Dieu nous donne l'explication de sa parole, c'est qu'il donne tout. Vous voulez aussi l'explication, je crois. Voilà Jésus à la fin de son ministère. Il rassemble les disciples. J'aime ça. Ils étaient tous là. Il dit ceci. Je désirais manger cette pâte ensemble avec vous. Je voulais. Mais je ne boirai pas cette eau. Jusqu'au royaume. Et nous attendons Christ jusqu'au royaume pour qu'il boive. Voilà ce qu'il fait. Il réunit les disciples.
Suivez-moi, s'il vous plaît. La bonne de Dieu. Il prend le pain. Je lis pas. Qui prend le pain? Une prédication très simple. Qui prend le pain? Je lis pas. Il prend le pain. Je lis pas. Il pouvait donner à Pierre. Avec le pain, ça pète. À Jean. Non, s'il donne le pain, Pierre devient la vie. Si on a le pain, personne n'a la totalité du pain. Si on dit dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète. Non. Le pain était sur la table et personne n'a mangé. Vous vous souvenez ce jour-là? Il a voici tes péchés sont pardonnés. Il a trouvé le droit à la table. Après si mon congo na mesa, c'est-à-dire qu'elle n'en peut plus manger. Et là, tu me la reviens à la mesa. C'est ça qu'il fera ça. Qui me l'a fait? Il a laissé Israël. Il a laissé Israël. Il est venu vers nous, le chien. Parce que nous n'étions pas sur la table. Où sont-ils à qui n'a mis la tête? C'est toi au pied. À qui n'a ma colo? Quand il tourne, il dit Simon. Oui, Simon. Tu m'as invité dans ta maison. Yo. Mais tu ne m'as pas baisé. Tu n'as pas lavé mes pieds. Tu m'as pas embrassé. Yo, Yambi Naïte. Il est venu chez le sien. Aïe, papa, oh, aïe. Le sien ne l'a pas reçu. Bah, oh, aïe, Yambi Naïte. C'est-à-dire le pain, le pain. Et là, il lit pas, il fait la lipa. Même quand la sœur Marie a déposé le pain dans la crèche, mais elle, personne l'a mangé. Mais on ne peut pas aller à l'hôtel. C'est resté le pain. Attends la lipa. Même ce jour-là, il a dit, je suis le pain descendu du ciel. Israël a fui. C'est-à-dire personne n'a goûté le pain. Vous êtes scandalisé? Donc quand Jésus marchait sur la terre, personne ne l'avait mangé. Voilà pourquoi à la fin de son ministère, donc, comme vous ne m'avez pas mangé, je remets le pain à celui qui l'avait envoyé. Il prend le pain, à la place de faire comme ça, il soulève. Quand il soulève le pain, il ne laisse pas le pain là-bas. Si le pain reste là, le pain sera affamé. Il descend encore le pain. Pourquoi? Il soulève le pain. Il lui rend grâce. Si tu ne peux pas manger le pain, il lui pas le pain. Dieu ne l'aime pas. Mais tu ne peux pas prendre un verset de la Bible. Il va passer à prêcher. Ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas, il faut remettre le meilleur. Après cela, on peut s'arrêter. Vous n'allez pas donner dans la vie. Mais non, je ne suis pas mon vie, il faut diviser ça. Et c'est le cabola amour. Très important. Et ça, il ne tombe pas ma case. Le chemin se trouvait dans cette âme. Peut-être que vous allez la carte à l'huile. C'est ce qu'Abraham a fait. Il y a moi, Abraham a salé. On va reconnaître que la postérité va se réveiller. Dieu dit, prends jeunesse de 3 ans. Nous avons dit, Zoé, n'a pas eu la misato. Vous pouvez aller. Quand tu as dit, tu vas aller. Parce qu'il y avait le chemin là. Vous ne pouvez pas posséder. Vous présentez si le chemin ne s'ouvre pas. Ce qui nous est là, pour l'amitié. Voilà pourquoi dans la mer rouge. Le vent a soufflé. Le chemin s'ouvre. Et ce chemin-là, c'était seulement pour Israël. Quand les Égyptiens voulaient entrer, c'est-à-dire le chemin-là connaissait les enfants de Dieu. Je suis heureux de vous dire que le chemin vous connaît. Et les Égyptiens ne vous touchera jamais. Et si ce chemin, le peuple peut entrer. En il
Lucas Marobi Mate, Jésus à la fin de son ministère. Jésus n'a souk à l'automne à l'air de faire. A Zuni pas. Il a grâce. A Pessi. A Tondi Kassa. A Kitisi. De Chi. A Kati. Il dit. Alors oui. Ceci est mon corps. Oh, il a mais qui a donné le corps? Moi, n'a pas c'est lui. Il est mon corps. Mais qui a pris le corps? Moi, n'a Zuni pas. Ce sont les mains. Et l'un de ma boko. Mais qui a rompu? Même à qui? Ce sont les mêmes. Et mais qui a distribué? Même à Kaboul. C'est toujours les mêmes. Et madame Mabo. Mais a fait combien de rôles? Bon, ma salle à l'eau, à Tomboli, à Kitisi, à Kaboul. Attention au ministère. Que bon à Batoli? Le tombeau. Le tombeau. Que bon à le tombeau? Parce que Dieu ne pouvait pas faire ça. Peut-être dans ma salle à moteur. S'il n'avait pas pris les mains. Ce qui a joué à mon côté. Quand il prend dans l'azu, déchire à Kaboli. Maintenant, parce qu'il est là, il distribue le pain par morceaux, non dans la totalité. Azo Kabola, ne discute pas. Reçois la morceau que Dieu t'a donné parce que là qui convient. Si c'est petit, merci. Sauvez à mon cœur, il y a un homme de joie. Joie. Mais quand il dit que ceci est mon corps, t'as pas besoin de te faire un autre nana. Il distribue quoi? Alors, Kabolani. Ses mains, ses pieds, ma boca, la yéma, molo, mousse, moto. Et à la fin, en Asuka, il prend encore la coupe. Ajoute-t-elle. Il rend grâce. A tombé. C'est mon sang. Adieu, Zama Kiranaga. C'est fini. Et si nous voilà. Donc Jésus disparaît. Et là, Jésus a libre. Où est Jésus? Jésus a Zawaki. Dans Thomas. Nakata Thomas. Dans Jean. Où est Jésus? Jésus a Zawaki. Donc si vous regardez sur la table, sur le tali na beza, il n'est plus là. Azawanate. N'allez pas à Jérusalem. Ok, na Jérusalem. Jérusalem, c'était une table. Jérusalem, c'est une table. Là où tu as déposé le pain. Est-ce qu'on t'a battu? Parce qu'Israël n'a pas marché. Pourquoi c'est la lettre? Là où tu es le pain. Pas. Vous serez des témoins. Jérusalem, vous serez mon cas. Jérusalem. 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 Samarie. Qui me souka me gagne? A Kaboli Lipa. La table est incapable. Ta tête. Mais ça est calé pour le aller plus chercher le pain là-bas. Pour nous caler pas pour notre, vous ne trouverez pas. Pour vous arrêter. Dieu n'est plus dans le monde. Nous avons alors sur la terre. Dieu n'est plus dans le temps. Nous avons la tête de terre. Dieu se trouve dans la terre. Nous avons alors sur la terre. La carte de terre est dans le monde. Dieu ne se trouve pas pour la vie. Mais pourquoi Jésus a fait ça? Pour que les milieux soient salués. Il voulait donner l'enseignement. Alors qui a fait salité là? C'est ce que je vais vous prêcher dans quelques. Pourquoi il croit le père? Il va rendre ça à bouquer mon ami balai, distribuer à Kaboli. Qu'est-ce que vous voulez réellement faire? Il voulait donner l'enseignement. Il prend encore la coupe. Azukeni. Il dort. À Pessi. C'est l'enseignement. Il est l'enseignement. Il voulait seulement montrer que ce qu'il fera à la croix. Il y a que ça dans le coulis. Ce qui va donner à la croix, c'est ce qu'il explique ici. J'aimerais que vous me suivez très bien. Parce que beaucoup de gens se limitent seulement. Le pain, c'est la parole. Le sang, c'est la parole. Nous aussi nous croyons comme ça. Jésus-Christ a dit, toutes les fois que vous avez fait ça, plus ça devient la pratique. Et ça devient l'ordonnance. C'est comme le baptême. Véritable baptême, baptême, on reçoit la parole. Et là, mais non, c'est un langage. Dieu a pris le corps. C'est-à-dire, Dieu peut s'expliquer par le naturel. Dans l'inconnu. Fait s'apprendre par le connu. L'invisible. Peut être vu par l'invisible. Le spirituel. Peut être connu par le visible. C'est-à-dire ce que Jésus-Christ fait ici. Il donne ça comme l'homme. Comme l'ordonnance. Le Quel est le la bande la bino.
que le Seigneur vous bénisse. Il fait ça comme l'homme. Je sais pas quoi l'homme ou maintenant, ça signifie quoi? Et nous, comme l'homme ou de bien aimer Paul nous aide. Ne copie pas son débit. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, Première Corinthiens, chapitre 10. Voilà ce que bien aimé Paul dit. Je vais lire quelques versets. La content à ma peau. Prenez le verset 30. Nzela potanga tukumisato et descendez. Pekita. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 30-31. Virgile potukoma verset 16 zoni na motoba jusqu'au 17. Qui nous zoni na sambo. Voilà ce que bien aimé Paul dit. Dala ole de Paul a zolo. Il dit alobi la coupe de bénédiction que nous bénissons. Kemi yali pamboli oyo pambola n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Bele yango yali te koyo kana pe ko sana na makina yo répète que nous rompons. Liba oyo kozoka n'est-il pas la communion au corps du Christ? Yango yali te ko sana na nzoto ya Yesu puisqu'il y a un seul pain. Bele liba yeza moko nous qui sommes plusieurs bisoba yo teza boyike formons un seul corps. Entre ceux qui mangent et la nourriture. Pour la personne entre en communion avec la nourriture. Un seul pain. Parce qu'il y a un seul pain. Nous sommes en communion avec la nourriture. Parce qu'il y a une seule coupe. Nous sommes en communion. Je vais dire quoi au juste? Il est allé pour expliquer ceux qui mangent à l'hôtel des démons sont en communion avec les démons. Donc celui qui attend mal, quand vous enseignez mal, vous n'êtes pas justifié. Est-ce que c'est l'enseignement qui fait que les gens sont en communion? Je suis égal à la parole que j'écoute. La parole que j'attends me représente devant vous. J'entre en communion avec le message. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui a semé et a connu le bleu, a connu le bleu, l'autre a semé le livre. À la moisson, le bleu devient des hommes. Mais quand on a semé, c'est le prédicateur. La sémence, c'est la prédication. Quand je sème, c'est la parole. Et à la moisson, Dieu ne viendra pas chercher les écritures. Mais Dieu viendra chercher les hommes. Les hommes qui sont devenus paroles. C'est-à-dire que la parole prêchée devient les hommes manifestés. Et comme une parole à mon Issan. On ne trompe pas. Si quelqu'un prêche de fausseté, ça va lui faire mort. Vous êtes en communion avec le Père que vous rompez. Vous êtes en communion avec la sénat que vous avez. Si on vous prêche des hérésies, vous ne pouvez pas être justifié. Tu peux mourir martyr comme un mari. Dieu ne voit pas ça. La justice de l'homme, c'est le vêtement souillé. C'est moi, ma mère. C'est la parole. Cette parole qui nous justifie. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas pris de pain. Il n'a pas mis de pain. Pour dire qu'il n'aura pas de message. Il n'a pas mis de pain. 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 Voilà pourquoi beaucoup de prophètes la font des visions. J'ai vu les écureuils, j'ai vu ceci, cela, parce qu'ils sont en communion avec le démon. Il y a un moment, ça peut le donner, voilà comment on a
Et vous n'avez pas compris. Hein? Dieu parlait pour créer des animaux, mais pour l'homme, il est descendu, s'est servi de ses mains. Nzambe amaye ko lokona ko kela banyama kasi pona ko kela moto nzambe amishungi na maboko na yo. Jésus Christ montrait comment est-ce que le père devait le prendre. Yes, on ne connaît jamais lui tata c'est quelqu'un qui a joué. On a pas mis sa main le père, tosa la tata le fils, tosa la mona l'esprit, tosa la molina. C'est ce que frère Paul dit. Il y a monde reprend le fils. Un seul Dieu nzambe ka mo le principe de tout. Nicolo a yo so au milieu de tout. Na katia yo so en tout. C'est le seul Père, le seul Dieu qui est témoigné par moi. Il est descendu, il est tombé parmi nous par les êtres humains. C'est le mouvement qui nous fait. Et là témoigne de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le Père préparait depuis le début. Mais avant que Dieu se serve de toi, il faut une église. Et ce n'est pas du cas. Il n'y a pas un autre chemin pour les nations. Il n'y a pas un autre chemin pour le ciel. Nous allons sans passer par Jésus-Christ. Ce qui est l'équipe de Jésus-Christ au terre. Il n'était pas le premier, pasteur. Parce que David a dit. David a dit, il dit l'éternel pour l'éternel. Il est devant. Je suis derrière. Et tous les prophètes ont suivi Jésus. Et les saints doivent suivre Jésus. Parce que c'est que pas un autre jamais. Joseph aussi avait des promesses. Joseph, pas qu'il a dit la carte. Avant que Dieu puisse le distribuer, il y a un peu de temps à élevé la coupe de la prison. À tomber la passe, il y a un après cela, il a distribué Joseph, la David, tous les serviteurs, les enfants de Dieu qui ont des promesses, ils ont accepté que Dieu puisse nous parler, et c'est vrai que nous sommes soulevés, attendre la haine. C'est pas comment, mais il y a des femmes de trahison, on se reprend, on se reprend, on se reprend, on se n'a pas dans le combat, n'a dit tout bas. Et je garderai le cadre parce que je suis en prison. N'a pas de la quille, n'a pas de la quille, n'a pas de la quille. Je suis dans la direction du niveau. Attends, ma quatrième de la ligne. Tu veux que Dieu se sente de moi? Et nous disons, ma salle est là-haut. On va tout d'abord te prendre. Et c'est là, je vais m'abonner. Je suis soulevé. Attends, ma salle est là-haut. Voilà, mais il y a des grandes choses qui ne sont pas encore revenues parce que Dieu ne l'a pas encore vu. N'a pas de Dieu qui se réveille, c'est ça? N'a pas de Dieu qui se réveille, mais il y a des gens qui se réveillent, mais il y a des gens qui se réveillent. Il y a des gens qui se réveillent, mais il y a des gens qui se réveillent. Shalom. Moteur. Shalom. Moteur. C'est-à-dire que Jésus-Christ explique sa ministère. Jésus, alors que lui, la bonne manière. Mais cela explique pourquoi je pars parce que je ne serai pas là. Il y a deux gens qui me la ligne, mais vous avez la ligne. Vous qui me suivez, vous devez être en communion avec moi. Ici, je parle de la communion. C'est-à-dire, quand il donne le pain, après ça, il s'introduit dans leur vie. Désormais, vous n'êtes plus seul. Je suis en communion avec vous. Quand il prend la coupe, il est dans la vie. Je suis en communion avec vous. Partout il marche. Les gens doivent vous voir. La portion du peuple qu'il faut manger. Vous savez, dans la loi, qu'est-ce qui se faisait? Ça se faisait comme ça. Si je prends ma Bible, je la mets chez l'apôtre Jérémie. L'apôtre Jérémie, je sacrifie ma Bible. L'apôtre Jérémie, comme sacrificateur, prendra la Bible.
Thomas j'ai dit le à Nzambe à cause de Biblia. Il va estimer la valeur. À côté la motuya là. C'est combien? Les amis motuya là. $10. $10. Regarde. Abonne. Si je vais racheter ma vie. Sur la ligne de la Bible, il y a des amener l'argent. Qui correspond à la Bible? Et je veux même ajouter un surplus. Est-ce qu'on est trop bien? Maintenant, si je parle avec ma Bible, la Bible, la Bible, je vais rester avec $10. Thomas, je vais rester avec $10. $10, ça signifie quoi? $10, c'est la Bible. Et la Bible. Mais quand je vais l'ajouter, j'ai ajouté aussi un plus. N'a pas dit si je m'en donne. Exact. N'a qui ça? La Bible, c'est combien? Mon Bible, c'est combien? Mon Bible, mon bon azon. Un dixième, non? Mon bon azon. Si je mangeais la dîme, ce qui m'a l'air, mon bon azon. De $100. Il y a $100. Ça dit, j'ai mangé combien? N'a l'air bon? $10. $10. Mais si je vais racheter, c'est le lien. N'a rien à six cola. $10 plus. N'a combien ça $10 n'a pas un cinquième. N'a mon bon ami tan. Un cinquième, ça sera combien? Mon bon ami tan, ça sera combien? Regardez. $2. $2 et demi. Je donne 10. N'a pas si jolie. Plus 2. N'a pas qui se le 2 là, mi balé, on a. Si vous le multipliez par 5, ce qui au mitan ici, à mon ami tan, ça devient 10. Et comme nous on ne me comprend pas. Quand vous prenez un apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un évangéliste. Les cinq amis Kano qui vous attendent à la totalité, aux hommes de ma vie sont à vos cocanes. Mais c'est Jésus-Christ qui s'est donné. Parce que Jésus, mon ami, il a ajouté aussi un surplus. À partir de Jésus, il me souffre. Voilà qui l'a demandé. Je vais répondre pour vous dire ceci. Quand Jésus-Christ donne le Père, c'est pour dire qu'il y a de l'eau. Maintenant, il faut quelque chose qui peut être semblable à lui. Et c'est même l'eau pour être canaillé. Pour éviter. Apôtre Jésus a vu dire nana, une Bible nana. N'a dit ce qu'on a récupéré, Bible Oana. N'a pas fait sa valeur. N'a pas fait sa valeur la Bible. Si moi je pars, c'est moi qui. Apôtre Jérémie garde cet argent. Apôtre Jérémie a cet argent doit être égal à ma vie. Mais quand Jésus-Christ fait partie, il laisse quoi? Il se laisse à Mitiki. Voilà pourquoi Frère Pierre arrive. Il y a même le côté là dans la belle porte. N'a pas été ouvert par l'indique à vous. Même quand Jésus était vivant, comme il a dit à vous, il faisait marcher de l'indique. Après, on tombe sur la bataille. Il est parti. Vous voyez que où est Jésus? Il a laissé quelque chose à dire. Comme on peut s'attendre. Il dit, regardez-moi. Habitant la main. N'ayez pas de qu'est-ce qu'il a? Azan Ami. Il a laissé à tirer une portion de Jésus. Qui est semblable à Jésus? Voilà pourquoi, dans le bataille, on voit l'évangile éternel. Judas, ça s'en amère. Judas, tu as Simba 30 cycles d'argent dans le bar pour fatiguer. Pour 30 cycles d'argent de la Ginza, t'as ma boîte qui 30 cycles de la ville de refuge. Moi, je batte la maison de sucre. Évangile à mon cul. C'est-à-dire que 30 cycles d'argent, c'était Jésus. Les amis de Jésus. Je ne raisonne pas. Zacharie a dit, si vous trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Ils m'ont estimé, quand Judas marchait avec 30 cycles d'argent, il m'a pris la valeur de celui qui me va. Quand on fait plus les tuer, parce qu'il a Jésus. Mais il a compris que c'est Jésus. Ce ne sera pas seulement pour moi. Il faut les laisser tomber aussi pour les autres. Il faut la tique à quoi il y a pour l'homme sous ma zone. Quitter. Qui avait besoin de manteau de lit? Non, il y a qui n'a pas ça, mais quand Élie monte, le manteau n'est pas tombé sur Élie. Manteau est quoi? Il est tombé sur la terre. Mon corps est quoi? Il est là. Je bénéficie. Ma belle-mère, il n'y a pas de problème. Je ne sais 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 pas de problème.
salaire est disponible. Donc, pour le moment, c'est parti. Article salaire. Allez, faites son bataille. Mais salaire. Dans la fête, j'ai le quand tu as un traité, moi, ma sang, ma paix, ma lame. C'est pas mal. Et là, ma belle, pour la bino. Du coup, là, les peines là, les paroles égale à Jésus. Et qu'on a dit à Jésus. Et ce Jésus là, c'est la parole d'Esprit. Mais Jésus, il y a un de l'Iloba. Mais les sermons que nous faisons, c'est une œuvre. Nous avons un lembo, tout ça, la boutue à l'élo. C'est le témoignage. Et Zali, l'Itatoli. Il fallait arranger ça avant Dieu. C'est le témoignage que nous sommes en communion avec Jésus. Ils sont Jésus Christ. Celui qui mange le pain témoigne qu'il est en communion avec qui. Celui qui boit la coupe témoigne qu'il est en communion avec qui. Jésus Christ a pardonné. Jésus Christ m'a pardonné. Si il s'est sacrifié, ami Bonzi, moi aussi je peux le sacrifier. Parce que je suis en communion avec vous. À la fin, il dit, Sukalobi, je vous donne un commandement nouveau. Na pesibine mobeko ya sika. C'est-à-dire que le repas du Seigneur et koloba, il est yakolo, témoigne l'amour de Dieu dans nos vies. Quand je méditais aujourd'hui, avant de venir vous prêcher, en tout cas, je suis dit finalement, quelle cruauté! Mon arrête un innocent, on l'amène devant Pilate. Pilate commence à juger. Pilate a dit qu'on s'amuse ça. Que ces moto ne mérite pas la mort. Hier, Bongi na liwata. Le juge sort devant les gens. Mosam bisi abimi le bosso yabat. Il dit mais là c'est toi. Abimi moto. Je n'ai rien vu de vous. Namoni ma bête. Crucifiez-les. Bakayo le kulusu. Il me met. Akupa. Ce qui m'a fait du mal. Oh, salut ma bête. On gifle Jésus. Ma bête il est le créateur. Mokeli. On crache sur lui. Papa, qui est le créateur? Mokeli. Il dit OK. Et Pilate dit, Pilate a dit, pourquoi tu ne réponds pas? Il faut y en mettre pour la nuit. Un agneau. Moi, Pate, qui ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Après, vous me l'avez raconté, on a l'amour de Dieu. Mais le Tout-Puissant. Je vais vous dire que vous avez fait le travail. 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 Akufa. Si j'étais là, ce que nous avons là, je pouvais donner l'explication encore claire. N'engana pas ça ni moler à poler. Cause de sa mort, parce qu'il gardait la divinité. Pour la nuit d'akufa, il peut avoir maki bonzambe. Il gardait la divinité. Avoir maki bonzambe, la divinité. Le quoi la maki bonzambe? L'homme, moto. C'était naturel. Azara qui carre la moto boy. Il fallait qu'il meure. C'est là qu'il akufa. Partager sa divinité. Voilà pourquoi la croix, n'avons-nous que nous sommes nus, à coups de bolumbu, pour que nous portions ce vêtement. Peut-être que cela t'a dit l'embarras. Il meurt humilié, il meurt humilié, à coups de nasoni, il meurt humilié, à coups de nasoni, pour que nous portions ça. Peut-être que c'est toi qui es celui qui est en communion avec le Christ. Oh là, il y a quand il a Christ, bénéficie des acquis de la croix. À zupe du locogno sur le coulusso. Et après avoir donné tout cela, si ma repère sa nyoso. Il signifie ça par un enseignement. Il dit, à l'imbolia mon alitéa, un commandement nouveau. Abina pesibi no mobeko ya sika. Aimez-vous les uns les autres. Bolinana boko pe basusu. Je vous ai aimé. Le quoi la nana lingibi. Papa, si Jésus-Christ parle comme ça, ce que Jésus-Christ en le Bible, moi l'amour, je vous ai toujours dit que ça m'a toujours dépassé. Je ne parviens pas à bien l'enseigner. Na lo bana la Bible te bolimbo eleke. Il nous a aimé comment? On l'appelle à la croix. Il nous a aimé. Il accepte d'être crucifié. Il nous a aimé. On le pèse. Il nous a aimé. Il dit Père, pardonne-les. Il nous a aimé. Sans demander la condamnation. Accepte. Sans se justifier.
qui perd l'homme à l'amour. Quand je prends cet amour, ce que nous avons. Cela ne me garantit pas le ciel. Yango et l'eau n'a pas été la côte. Ce qui garantit le ciel, et l'eau, c'est la côte. Ma vie a manifesté l'amour. Ce qui n'a pas quitté Bolingoyanzan. L'amour du verset a dit Bolingoyanzan est coloré. Au milieu de la souffrance, la carte y'a pas passé. Je pardonne. N'a jamais dit ça. Au milieu de l'injustice, la carte à cause d'un abos sembo. N'a jamais dit ça. Au milieu de la souffrance, la carte y'a pas passé. Je Jésus Christ à la croix. Jésus Christ ne coulousse. Ne s'est pas même justifié. Il n'a pas réclamé quoi que ce soit. Il a gardé sa bouche. C'est ça l'amour. Il faut venir chez nous. Vérifier dans nos foyers. Tala na bandako na biso. Comment faire la lumière ta sera toi pour la promoter? Attention, je suis le chef. Mais Dieu tout puissant, Nzambo ya nguya nosso, qui pouvait l'arrêter? Un frère a acheté une goutte d'amour. S'il y avait réellement l'amour divin, comprenez l'amour divin, il n'y aura pas de mille pas. Il n'y aurait pas de division. Il n'y aurait pas de confusion. Je pardonnerai mon frère. Je pardonnerai ma soeur. Parce que j'ai la tête d'aimer les autres comme Christ m'a aimé. Bien aimé, la seule différence entre nous et les apôtres, c'est l'amour de Dieu. Ils avaient des défauts, mais ils n'ont jamais fait un débat sur le faible bien. Dans la chambre haute, tu pouvais aussi dire, pourquoi tu as réveillé? Personne n'a posé à Pierre la question parce qu'il a réveillé Jésus. Parce que tous regardaient l'amour de Dieu. On n'a pas posé la question. Jean, toi tu as la connaissance avec le souverain sacrificateur. Comment Jésus est mort? On n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de dire Thomas. Comment tu as eu doute? On n'avait pas besoin de ça. La famille de Jésus n'a pas dit. Oh, moi, la Nabisso a couffé l'église Nabisso. Personne n'a dit ça. L'amour divin. L'amour divin supprime nos intérêts tous les temps. L'amour divin me pousse à me sacrifier pour les autres. Mais c'est ça l'explication de ce que nous voulons faire. Cette nuit, nous voulons dire Jésus. Yes. Nous t'avons accepté. Jésus, nous t'aimons. Yes. Oui. Le pain que nous prenons, ça témoigne de notre communion avec toi. La coupe que nous prenons du vin, ça témoigne réellement notre communion avec toi. Celui qui n'est pas en communion avec Christ n'est pas sauvé. Et il n'y a pas l'enlèvement, il n'y a pas la croix sans la communion. La communion, c'est sa l'unité. Mais bien aimé, pour être uni avec les gens, il faut avoir l'amour de Dieu. Et c'est moi qui ai un homme ingrat. Moutoazan ingrat. Moto Azani Azani Kondi Mamonina. C'est ça l'homme. Mais s'il y a l'amour divin, ce que nous voulons faire, ni tout ça là, maintenant, qui a donc qui peut boire ça? Nani a qui peut manger ça? Nani qui peut lire à Yango? Avant de manger le pain, Yango li a lipa. Avant de boire la coupe, oh, mais la il faut discerner. Yo, oh, Magnola. Partager avec un groupe de gens qui ont dit la parole du Seigneur sur la parole. N'abandonne pas ce qu'on a parlé de Bible et à colonne de l'Iloba. À part la parole, il n'y a pas de pain. Libanda et à l'Iloba, Lipa et Zate. Ils ont dit non, mon sapon, j'ai dit bon, je vous donne le pain. Ça dit non, du commis. Moi, je crois que le pain, c'est la parole. Lipa et Zate, le pain, c'est la parole. Mes frères Paul dit,
avant de manger le pain, yamboboli alipa, il faut s'examiner. Et Sengeli au sosola. Comment une prostituée n'est-ce pas moi Sindumba vient à l'église, aller les kélésia avant de goûter la parole. Yamboboli aliloba. Elle va s'examiner. Akomita la nengi. Akomita la nengi. Avant de manger le pain, yamboboli alipa. Voir la coupe, oh, mais la... Et c'est là. Si on a le péché non confessé, ne touchez pas. Sokola ma soum, oh, yambo la terre, ne touchez pas. Kosimba te. Si tu as des rancunes non arrangées, ne touchez pas. Yo, nande konoye boyo karakate, kosimba lipate. Si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, ne touchez pas. Yo, olimbi sinde konoye te, konoye lipate. Parce que c'est lui qui touche le pain. Ouais, c'est lui qui boit la coupe. Ouais, azomela la kemi. Boit son jugement. Azomela et sambi selonaye. Nous avons célébré le repas du Seigneur quelque part. Bisoto salaki bile yakole sika songolo. Elle a touché le pain. Comment c'est pas simbi? Elle a fait des années dans les coulements de sang. Asali bamboula ebele makile zotangaye. Ne touchez pas le pain. Vous partez. Si tu n'es pas promu avec la mort, ce qui est là, tu as des rancunes. Allez tout d'abord à manger. Et donc, tu as le péché caché. Aux âmes à soumou yobomba. Colis à terre. Ses frères ont dit, ne comprends pas la lobby. Vérifions ça pour terminer. Parce qu'aujourd'hui, total à mon pote aussi, Lisa. Voilà, frère, pour dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur sera coupable envers le corps et le sang. Makila. Que chacun d'entre se trouve soi-même. Moto na moto, ami tala yambo. Qu'est-ce qu'il mange du pain et porte la coupe? Et père, si manango, ali alipa, pe amelaken. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Oh, azon lia, pe azakomela. Tango la koso sur la zone de la porte. Et boit un jugement contre lui-même. Azon lia, pe azomela et sambi selonga yemoko. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Nango yango la kati na biro, bele ba komi ba kakatani, pe bele ba zakomela. Et un grand nombre sont morts. Pe bele ba koupi. Donc ce que nous voulons faire est significatif. Que le Seigneur vous bénisse. Je te préviens, si tu as des problèmes, si tu as des péchés non confessés, ne touche pas. Si tu n'es pas baptisé dans cet évangile, ne touche pas. Parce que tu es encore un esprit. Si tu as des problèmes, colère non confessée. Ne touche pas le pain. Ça peut être un jugement pour toi. Ça se différent avec combien de catholiques. Que ça n'est pas combiné à catholiques. Ça, c'est le repas du Seigneur. C'est-à-dire que nous appliquons la doctrine. Qu'est-ce que nous voulons faire? Jésus-Christ a pris côté du pain. Qui m'a pardonné? Et nous avons utilisé un seul pain. Il a utilisé une seule coupe. Parce que c'est le langage de la communion des saints. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons utiliser le pain sans les vins. Parce que Jésus-Christ est sans les vins. Ce sont des symboles de la parole que nous avons. Est-ce tout le monde a compris le message? Nous avons compris le message. Nous mangeons ce pain. Nous entrons en communion avec les saints. Quand nous vivons la coupe, nous entrons en communion. Nous croyons que de telles actions peuvent encore nous fortifier. Et quand tu connais ce que tu as dit, tu dois aimer tes ennemis, tu dois pardonner les gens qui t'ont offensé. Je suis en communion avec le Seigneur. Ma vie, c'est sa vie.
Et ça, c'est ma vie. Et comme je vais vivre comme je sais. Et cette nourriture nous pousse aussi à être puissant. C'est-à-dire que c'est la nourriture de fort et de puissant. Et pourquoi chaque fois que nous faisons ça, nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur. Je veux que ces paroles d'exhortation vous soutiennent pour mettre votre vie en ordre. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Comme Jésus-Christ a pas bon ami. Merci. Avant de passer à la cérémonie du repas du Seigneur, Yamboto Neka Namilulu Yabile Yakolo, comme c'est le kit que nous voulons offrir. Le col est allé le sable de l'Ugito Bonzana. Nous voulons offrir. Nous allons faire une offrande spéciale. Donc, on a des choses qu'on a engagées ici. L'équipe technique m'a donné une liste là de 45 $. Bandeko ya bimbongolo wana o ya miziki. Bape singai bato bandeko kuna ya bilili. Alors, attend ça. Les bananes doivent pouvoir aller au transport. C'est un peu ça, Zonga. Alors, nous avons trop de demandes. Voilà pourquoi je veux faire une offrande spéciale. Il y a mon si réellement nous avons l'amour divin, nous allons servir le Seigneur sans contrainte. Donc, au sein la colo, ma routine de cabisoté. Sans contrainte parce que nous aimons les Seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous voulons offrir avant de donner le droit du prédicateur. J'ai besoin qu'on nous donne une petite somme.